êtes ici présente et je suis ici présente aussi. Mais quel hasard! Ok, d'ailleurs, vous comprenez pas à quel point ça va être une folle vidéo, là. Deux folles vidéos. Deux folles vidéos parce qu'il y en a une sur ma chaîne aussi. Vous voulez pas la manquer parce que c'est une part 1, part 2. On aime ça, les part 1, part 2. On a magasiné comme des folles pour vous, ok? Mais magasiné quoi? Mais magasiné quoi? Et ben, les finissants arrivent à grands pas. Et moi et Émile Lalune, vous nous connaissez. On aime se lancer des défis. On adore se lancer des défis, mais on aime encore plus les relever. Mais voilà. J'aurais pas pu m'imiter. Et là, quel défi on s'est lancé, Cassandra? On s'est dit, est-ce que c'est possible de magasiner une robe de bal en friperie? Est-ce possible? Il fallait aussi vous convaincre que c'était possible pour vous de trouver une robe de bal. Exactement. Parce que là, ça va suffire de gaspiller 500$, voire même 1000$ pour une robe de bal. Il y a des hosties limites à ce qu'on peut endurer. Moi et Amy, on est écœurés de ça, OK? On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent à investir dans une robe qu'on va porter une soirée. Ouais. Puis on veut que vous aussi, vous ayez plus d'argent pour gaspiller votre cash dans des robes. Non, mais c'est aussi juste pour vous montrer à quel point il y a des affaires incroyables, des bijoux en friperie. Vraiment? Genre, j'ai tellement hâte de voir tes looks, puis j'ai tellement hâte que tu vois les miens. Vous allez capoter la gang. Fait qu'en fait, je vais vous expliquer le concept, là. Moi puis Amy, on est allés magasiner individuellement dans les friperies. Fait qu'on sait pas ce que l'autre a acheté. En ce moment, on n'a aucune estime. Ah! Juste ça soit une friperie, puis c'est drôle parce que hier, on s'est croisés. Mais vraiment, un peu hasard, là. C'est quoi les odds? Non, là, je quittais la friperie. Je croise Amy qui arrive à la friperie. J'ai pris toutes les belles robes. On se croise à Port, j'arrive. Que... Ah, pas rapport. Elle a tout donné les belles robes. J'ai tout pris les belles robes. En tout cas, là maintenant, on va se montrer les robes. Donc, ouais. Dans cette vidéo-ci, Cass va me montrer ses looks. Et dans ma vidéo, je vais lui montrer mes looks. Ouais, exact. Fait qu'on a 6 looks chaque. Et je vais les commenter, je vais les noter sur 10. Mais au-delà de 10, on a des critères parce que nous sommes pointilleuses. Pensais-tu vraiment que j'allais dire ça en même temps que toi? Oui. Colline! Parce que nous sommes pointilleuses! Non, mais il y a quand même des arguments à tenir en compte pour trouver la robe de bal. Parce que c'est une robe de bal qu'on cherche, là. C'est comme, c'est un grand événement qu'on va se rappeler toute notre vie. Fait que les critères! Premièrement, rapport qualité-prix. Oui, parce que justement, le but d'aller en friperie pour trouver une robe, c'est d'économiser de l'argent. Deuxième critère, on avait dit la vibe générale de la robe, l'originalité. Ouais, l'originalité de la robe, l'effet que la robe nous aura créé dans notre ventre, dans nos ovaires. C'est ça qu'on veut, en fait. L'effet des ovaires. L'effet des ovaires. S'il n'est pas là... Sorry, tu perds des points, s'il est là, oh shit, tu gagnes des points, ma chum! Exactement. Notre troisième critère, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui porteraient ça pour aller à leur bal? Est-ce que ça rejoint la mode d'aujourd'hui ou c'est passé mode? Ouais, c'est ça, parce que des fois, moi, je pense que moi et Amy, des fois, on a des goûts étranges. Mais, nous, on les assume, on adore. Parle pour toi. Je parle en fait plus pour toi. L'affaire, là, c'est que dès que tu te feels, ça passe. C'est ça! Mais quand même! Nous, on se feel tellement qu'on adore nos looks, qu'on est bien, on est confortable, c'est ça l'important. Voilà. Mais je pense que des fois, on tient pas en compte que nos looks, ça rejoint pas nécessairement tout le monde. Exactement. Fait qu'est-ce que la robe, elle passe partout ou elle juste passe et m'y casse? C'est ça qu'on veut savoir. On va le dire! Puis, je me réserve le droit de te donner des points, Bonnie, si genre, c'est vraiment un fou look puis que je capote puis que je porterais ça. Ouais. Oh my god! Point, Bonnie! Ok! Je tiens à m'enseigner, j'ai été seulement dans des friperies économiques. J'ai des looks qui sont un peu plus simples parce que je voulais montrer aussi que c'était possible d'avoir des looks plus simples, plus classiques. J'ai des looks moins simples, moins classiques. Fait que je vais commencer avec la robe qui, je pense, est la plus passe-partout. Parfait! Est-ce que t'es prête? J'ai jamais été en prête de ma vie! Et c'est parti! Je suis prête! T'es prête? Oui! Ta 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 ta! Ah! C'est ma plus simple, mais style! Genre, je m'attendais pas à ce que ça soit ta plus simple. C'est ma plus simple. Ah! Mais t'as pas comme un gars? Je sais, mais... Oh my god, c'est ça, c'est une... Ah, c'est ça, c'est une job. T'as pas trouvé ça... T'as pas trouvé ça à la friperie où on s'est rencontrés? Non, j'ai trouvé ça au Renaissance. Yo, elle est magnifique! Avec cette robe-là, je voulais vraiment montrer que c'était possible de trouver des affaires simples en friperie parce que je pense que les gens pensent que quand on parle de friperie, c'est comme tout le temps fucking genre... Coloré! Extra, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, cette robe-là, elle vraiment passe partout, là. Oui, mais tu pourrais littéralement mettre ça dans un souper galant. Oui! Tu sais, tu veux pas trop attirer l'attention, oui. Genre. T'accompagnes ton mari à un truc, mais c'est son moment. Oui. Mais tu veux être full élégante. Fait mais que c'est ça. Ouais. Je la trouve full élégante. Tu sais, mettons, avec cette robe-là, je me ferais une belle coiffure, tu sais, plus haute. Mettons, un gros bijou, genre. Ouais. Yo, je capote. Est-ce que tu veux savoir le prix? Oui, je veux savoir le prix. 17,25$. Pis t'as l'air d'en valoir, genre, 1000. Tu vaux 1000 piastres, mais tu sais, ça paraît qu'il y a de qualité, là. Ah, mais non, c'est vraiment un dessus de qualité. Ouais. Est-ce que tu l'as un peu, genre, passé à la vapeur? Même pas.
Même pas. Regardez, c'est tellement beau. Elle est belle, hein? Ok, mais non, mais je capote. Ah! Tu peux pas ramener ça. Non, faut que je la garde. Tu la gardes. Ah ouais? Oh, mais non, mais Claire, c'est trop beau, là. Ok, mais attends, faut que je donne ma note. Oui. Le premier, c'était qualité-prix. Qualité-prix. 10 sur 10. Yeah! 10 sur 10! Ensuite, deuxième critère. Ovaires. Les ovaires. Mais là, je peux pas commencer trop en force non plus. Je sais. Ok, je vais mettre un 9 sur 10. Mais c'est bon, 9 sur 10? Ouais. Est-ce que je verrais les jeunes porter ça aujourd'hui? Est-ce qu'elle est au goût du jour? Honnêtement, c'est une robe qui se démode pas, ça. Je trouve! Fait 10 sur 10 aussi. Ah! Oh my god! Mais genre, ça doit avoir un bon bien! Je sais, pis c'est ta plus simple! Tu sais, des robes simples qui sont banales, mais je trouve que celle-là, tu sais, elle look cher quand même, là. Tu te dis pas comme elle a pogné ça à 17$ au Renaissance, là. Non, 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 non. Non, elle look cher. Oui, elle look cher! Elle a sûrement dû coûter 300-400$. Ah oui, oui, là. En tout cas, écrivez dans les commentaires c'est quoi la note que vous me donnez. Fait que toi, tu me donnerais un genre de 9,5 sur 10? Ouais. Ben, c'est comme un 9,7 sur 10 quasiment. Ben voyons donc, Amy, ça se passe. Je te jure! Trop bien! Puis ce n'est que le début, puis j'ai tellement hâte de voir les prochains looks. Prochain look! Deuxième look! Je suis prête! Ah! Deuxième look! Mais j'ai un petit problème. C'est quoi? T'es un petit peu trop serré, check. Je peux pas l'attacher! Ok, mais viens, c'est les risques du métier, c'est les risques du métier. Tout ton jeu, j'ai une moins grosse réaction, oui. Mais still, je la trouve très jolie. Ah, mais Amy, en plus, je pensais vraiment que t'allais full l'aimer parce que je trouvais qu'on dirait qu'elle fitait avec toi un peu. Oui, ben t'sais, oui. Le petit diamant, je trouve qu'elle fait un peu années 2000 style, genre. Trouves-tu? Oui, je sais pas pourquoi j'ai pas plus réagi que ça. Ouais. J'aime vraiment. Genre, j'ai l'air d'être comme pas sûre, mais non, je trouve ça vraiment beau. Mais moi, c'est une robe que je verrais beaucoup accessoirisée. Étant donné qu'elle est tellement simple, ouais. J'aurais des souliers vraiment ouais. Fallés. Ben, c'est ça. Un bijou, oui. Un petit choker, genre. Des talons hauts full colorés, genre. Ouais. Tu sais, un gros talon haut rose, genre flash, éclatant, oui. Ça serait fucking. Un genre de look, je trouve, ouais. C'est un peu Bridgerton. Oui! Je trouve ça, c'est un oui. Petit look Bridgerton. Ben, c'est juste décevant parce qu'elle me fait pas, finalement, malheureusement. Mais celle-là, tu peux la ramener, elle t'a coûté combien? 17,99! Au village des valeurs! Ouais. Ok, mais c'est. Ouais. Crème. Côté qualité-prix, je donnerais un 9. Yeah! Qualité-prix, je donnerais un 9. Ensuite, vibe overall. Les ovaires. Les ovaires, un 8 sur 10. Ben, t'as pas fait tant d'effets, là. Non, mais c'est parce que la robe noire, elle me donne trop. Ah! Genre, la robe noire, j'attends trop. Ah ouais! J'ai capoté de sa robe noire là. Mais elle est vraiment belle. Ouais. Genre, si quelqu'un arriverait avec ça, je serais comme, oh cutie, genre. Mais tu sais, ça fait balle. Ouais, mais la robe noire, c'est genre, je vais te sauter dessus. Genre, ok, elle faisait ça. Plus comme, rrrr. Ouais, rrr, mais ça. Genre. Puis elle a fait plus comme, cutie pie. Cutie pie. Je sais pas pourquoi, c'est dans ça, je suis plus dans une vibe. Ouais, on est rare. On est rare. Avant de rare. Avant de rare. Mais c'est vrai, t'as raison. Fait que je donnerais un 8 sur 10 pour la vibe overall. Puis est-ce que je verrais les jeunes d'aujourd'hui porter ça? Tout à fait. Oui. Je donnerais un 9 sur 10 parce que. C'est sûr que je vois quelqu'un avec ça. C'est ça, en fait, ça se démode pas. C'est ça. Mais c'est ça que j'aime des robes que j'ai choisies. On dirait que je les ai toutes prises. Genre, chaque robe que j'ai pris, il y en a une que j'étais comme, ah, il y a un petit quelque chose qui me dérange. Ouais. Je vais la mettre après. Okay. OK. Chaque robe, c'est vraiment comme un coup de cœur, mais ils sont toutes complètement différentes. Jusqu'à présent, je suis très choyée. Mes yeux sont comme, wow! OK, fait que ça serait quoi ta note globale pour celle-là? Celle-là, je donnerais un 8,8. Je la trouve vraiment cute. Youhou! Bravo! Ok! Troisième! Prochaine robe! Prochaine robe! Oui, je suis prête! Ta 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 ta! Oui, mais ça revenait à la mode un peu le kétan. Mais j'adorais le pattern que justement, tu sais, ça part d'ici, puis ça va là, puis là ici c'est plus noir. Yo, c'est magnifique là! En tout cas, mes ovaires ont crié. Oui, sorti! Yeah! Je l'ai pris au village des valeurs et elle m'a coûté 45,99. Ok, mais pour une robe, on s'entend-tu que c'est pas cher, là? Pour une robe de ouais, balle? Pour une robe de balle. Je tiens à dire que c'est ma plus chère. 40? Oh mon dieu, toi, c'est ta plus chère. T'as plus cher que ça? Je sais pas, peut-être. Ok, mais honnêtement, côté qualité-prix, je donnerais un 8 sur 10. Ouais. Mais quand même, mais pour une robe, tu sais.
Pour une robe de bal. Non. Mes ovaires ont crié, donc 10 oui? sur 10. C'est vrai. Pour la vibe. Est-ce que je verrais les jeunes porter ça? Je mettrais un 7 sur 10. Je pense qu'il y a des gens qui voudraient le porter, mais je trouve que ça fait plus mature. Oui, maintenant, je verrais quelqu'un qui finit son bac. Ouais, c'est genre, vrai. Genre, porter une robe à t'as raison. Son bal de bac. T'as raison. Donc, t'as raison. Secondaire. C'est vrai. Mais, yo, des choses. Oui, des choses. Et puis je sais pas si vous savez, mais vous avez une job, vous devez nous dire laquelle vous préférez. Oui. Le... Genre, on n'a pas fait ça pour que vous nous dites pas ça, hein? Non. Fait que c'est quoi la note globale pour celle-ci? Ok, fait qu'on avait un 7, un 8, un 10. Donc, ça serait un 8.2 sur 10! Moins que l'autre! T'aimais mieux la blanche? Non. Mais c'est parce que je verrais plus des jeunes porter la blanche. C'est okay. Ça qui a fait que la... Je comprends. Mais... Moi, ça, je te verrais plus porter ça. En fait, si tu me dis en événement, qu'est-ce que je mets, je serais comme belle! C'est beau, en tant que Next one! You Next one! Ok, je suis prête! Yeah. Tu l'aimes? Oui! Moi, je me regardais et j'étais comme pas sûre, finalement. Attends, mais mets tes cheveux derrière! Ben non, c'est ça, parce qu'on retrouve ma boule! Check! Non, mais attends, ici, il manque de quoi? Ok, ben attends. On avait un problème là, technique. On avait un problème technique, ok? Ah là c'est mieux! Mais yo, moi j'aime vraiment ça. Ah mais là je l'aime là. Ah. Wow! Oh damn girl, you are so sexy! Mais celle-là non plus tu peux pas la ramener. Je suis désolée, moi je quand tu peux rien ramener, tu gardes tout. So hot! Moi, déjà là, le rouge. Le rouge. Le rouge est dans ta face, man. C'est comme ta face. Le rouge. Non, mais tu sais, une robe noire, ok? Ouais. Tu vas la voir, tu vas être genre, ah, c'est beau, mais une robe ouais. rouge. Je veux dire, tu détournes le regard, là. Tu crées des torticolis, tu sais. Absolument. Ok, mais moi, je donnerais. Ok, attends. Donc, qualité-prix, comment elle a coûté? 14,99$, c'est ma moins chère! 10 sur 10. 10 sur 10 pour qualité-prix. Ensuite, je dois avouer que le est vraiment confortable, puis a pu. Ah, mais là, faudrait t'en avoir. Tu perds des points de bord. Je donnerais pour la vibe overall un 9 sur 10. C'est bon. Puis ensuite, est-ce que je verrais un jeune porter ça un peu moins? Donc, je donnerais un 8 sur 10. 14$ pour une robe de bal et demi. 14$. T'as-tu compris? 14$. 23? 14! Je sais pas comment t'en dirais. Je donnerais un 9 sur 10. Yeah! Je suis tellement contente. Ok, but... I think I'm win the challenge. Sorry, I think I win. J'ai pas encore vu les robes à Amy, mais but I think I win. Attends dans mes robes. Yo. Next! Next. Je suis prête. Mais prête pour le vrai de vrai. Vrai. Durée crachée. Ta-da! Je pense qu'elle l'aime moins, celle-là. Je pensais que t'allais pas l'aimer! Elle est comme funky! Non? Non, je la trouve vraiment belle. Je suis tellement surprise que t'aies choisi ça. Ah ouais? Je me serais jamais attendue à ce que t'aies ça. Ah, mais je suis certaine que ça allait être une de tes préférées. Mais honnêtement, oui, mais je suis comme... T'aimes pas ça? Ah non, tu l'aimes pas, Amy? Mais je l'aime vraiment! Mais je suis tellement surprise que tu l'as acheté! Des petites paillettes! Je trouve qu'elle pas assez décolletée, genre. Moi, je suis quand même d'accord, c'est vrai que. Je trouve que ça fait plus ma femme, ouais. Genre. Bon. Alors, nous avons une déception d'Amy la Lune. Non, nous mais. La constatons ensemble, hein, la gars? Écrivez dans les commentaires si vous avez constaté le malaise! Ça allait si bien! Il nous fallait Il nous fallait quand même un petit. Ok, mais tu veux payer combien? 17,49$. Ok, mais c'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Qualité-prix, je donnerais un 7. Sur 10, qui est pas super. C'est pas super. Honnêtement, pas super. Je la trouve pas laine. Ensuite, la vibe globale, je donnerais un 7, mais vu que genre je suis hyper surprise que t'as acheté ça, je vais donner un 8. Ah! Donc, ah ouais! 7, je gagne un point de surprise! Oui. C'est hot! Puis finalement, est-ce que les jeunes achèteraient ça? Honnêtement, je pourrais voir des jeunes qui porteraient ça. Ben oui, moi j'attrape. Ça fait années 2000. Flyer, comme. Je mettrais un 7 sur 10. Ok, ok. Pour finalement un 7.7 sur 10. Ah, c'est pas mauvais. Hey, t'as la note de passage avec au-delà. Mais je suis surprise parce que vois-tu, moi j'étais persuadée que ça allait être une de tes préférées. C'est la dernière, oh my god, elle est prête. C'est la dernière. T'es tellement déçue. Je suis pas de triste! Oui! T'as
j'ai gardé elle que quand je l'ai vue, j'ai fait comme OK. Ton cœur a arrêté, oui, des ovaires en haut. J'espère qu'elle va me faire parce que je l'ai pas essayé. Ça serait vraiment une grosse déception si elle ne me fait pas. OK, mais j'ai vraiment hâte. Let's go. J'en avais pas que c'est la dernière. J'étais un peu triste. Un peu beaucoup triste. Confidence de Amy, j'aurais voulu que ça dure tout l'après-midi. I wanna be flabbergasted! Amy, es-tu prête? J'suis prête! Tada! Oh my god, on dirait que t'es une sirène! Okay. Oui! Oh my god! C'est canon? Oh my god! Oh my god! Mais celle-là, je l'ai vue, j'étais comme wow! Genre, je la trouve magnifique, genre le tissu, je trouve qu'elle fait robe de bal. Tu vois l'autre, je trouvais que la patch un petit peu, est un peu quétaine. Ouais. Celle-là, je les trouve pas quétaines, genre. Non, non, ça fait partie intégrale de la oui. robe. Yo, je capote. Et elle a coûté 29,49. Imagine, payer 30$ pour avoir l'air de tout ça, avoir une sirène à ton bal de finissant, c'est possible! Ah! Okay, c'est je capote, c'est ma préférée. Oh my god, je suis tellement contente, moi aussi c'est ma préférée. Fait que 10 sur 10, qualité de prix. Non! Oui. Non! 10 sur 10 vibe parce que t'as l'air d'une sirène, je capote. Et 10 c'est sur 10. C'est la mode d'être une sirène. Yo, oui. Puis 10 sur 10 parce que je verrais les jeunes porter ça à leur balle de finissant. Impossible, Amy! Je capote! C'est un 10 sur 10! Ah, je crois 10 pas. 10 sur 10, c'est ma préférée. On finit avec un 10 sur 10, yo, ça je se l'aime. Peut pas. Je l'aime tellement. Oh my god! Genre, je la trouve trop belle. Elle est tellement belle à couleur, là. Garde ça pour porter ça à un mariage. Mais genre, c'est sûr, faut que je garde ça, là. Yo. Une des plus belles robes que j'ai vues de ma vie. Je suis comme déjà en train de penser comment oui. tu t'arranger. Je suis comme, je crois pas, je suis trop beau. Ah, j'étais vraiment contente. C'était vraiment une belle fin, ma gang. Oh, c'est la fin déjà! Yo la gang, c'est la fin de la vidéo! J'espère qu'on a été capable dans cette vidéo de vous montrer qu'il était possible de bel et bien acheter des belles robes dans des friperies. Oui! J'espère qu'on vous a convaincu, là. Vous êtes comme, oh my god, j'ai besoin d'aller en friperie pour acheter ma robe. Puis si vous avez besoin de plus de convaincage, ben allez voir ma vidéo après! Oui! Parce que là, on est rendu au look de Amy qu'on va voir dans sa vidéo. Puis écrivez dans les commentaires c'est laquelle votre robe coup de cœur de ma vidéo. Mais pour vrai, je pense que j'ai vraiment relevé le défi. Oh genre, my god! Pas, littéralement! Je vais pas me mêler de ce qui me regardait pas, mais comme, je suis vraiment fière de moi. Moi, je suis extrêmement fière de toi. Je m'attendais pas à ça. En fait, je suis tellement surprise parce que t'avais aucune robe courte. Non, que des robes longues. Je trouve que des robes longues, ça fait plus balle, en fait. En plus, moi, je me suis forcée à prendre des robes courtes parce que j'étais comme, non! Oh, car ça va sûrement avoir des robes courtes aussi. Impossible! Ok, j'ai tellement hâte de voir tes robes! Bon bal! Des bisous! On vous aime full! Oui! Merci d'avoir écouté, je vous aime! Bye. À mercredi prochain et bisous, bisous! Et bye! Et bye! Et bye! Au revoir!